wa man surtout man sudon dañ may laaj ben c'est la formation à la base ñu jappalé len il ko ko les gens aide nous avons des centres qui ont plusieurs gosses yu nga xamni non seulement dañ len di éduquer di len jangal basket mais les moyens manquent énormément on n'a pas de moyens on n'a pas de ballon on n'a pas de panneaux les terrains sont dans un état bu doy war donc surtout dal fofu lañu wax que les gens aident les formateurs des centres que ñuy mëna ñomit encadrer les gosses surtout lolu mom soxla nañ ko trop donc en parlant de U16 j'ai l'impression d'avoir entendu que ni am ngeen des sélectionneurs du Sénégal waaw on avait trois sélectionneurs on avait Mame Diara Diop Ndey Khoudia Diagne Ndey Khady Ley donc elles sont tous ici des centres pratiquement presque ñun rek ñok fa amone les autres jouent en D2 en D1 mais des filles peut-être qui n'ont pas beaucoup joué donc ñom lañ sélectionné won ce qui est bien en garçon à garçon il y a Mohamedou Fall Petit qui est actuellement en pré-sélection à l'équipe nationale ñu on a remarqué que les gens ont tendance à baye ba nit ñi genn aduna ñu leen di sargal donc ñun nous avons pris un autre chemin ñu ni il faut ñuy honorer suñu nit ñuy am de leur vivant et on a pensé à coach Mori mi nga xamni non seulement waxuma limay def ci sport mais ñun moñu jangal basket moñu encadrer ci walu coaching ba légui ko ni duñu suivre moñu yar dal en quelque sorte donc ñun aussi ñu initier affaire bobu souvent les gens ne le font pas ñu ni dañuy sargal coach Mori quoi et en fait du ñun personnellement ñun ñokoy sargal mais ñun on a organisé le plateau ni képp ku bëgg sargal coach Mori bép doomu Louga bép sportif bép am di jammam nga ñew nga sargal ko mu gis lolu quoi lolu mo waral événement bi donc ñun le wa SOS basket club bon ak wa excellence ak ñi nekk ci dëkk bi ñëpp parce que ñëpp ils avaient l'oreille attentive pour participer ci affaire bi donc kon ñun ñëpp ñun ñoko organiser quoi waaw concernant la première journée mom dañu jël ay intercentre centre yépp di dajalo on a pris le matin les mini basketteurs ñu jouer jusqu'à 13h la première on est venu à 16h jouer presque ba 22h maintenant pour la deuxième journée dañu jël rek les meilleurs entre guillemets en tout cas on a fait une sélection chez les U16 filles ñom ñoy jouer ni actuellement ni quoi ensuite il y aura une autre sélection chez les U16 garçons ñu jouer et le dernier match concernant les seniors nous avons pris SOS en D2 contre une formation de LBC donc pour ñu jouer cette cérémonie bi quoi waaw bala ma tontu sa tontu dama len di gëreum yeen ñi nga xamni may ngeen ma mo mëno xa asan wi moy sa doomu Louga la juddo Louga ay mbokam ñenti mamam yépp ñu denc ci Louga papa makiyam wa Louga la fi la magge fi la yaru lepp luma xamit fi la ko xame muy mbekté ci man lool nak bi am ño xamni ñenn ci wa Louga ño am idée bi ni kat war na no sargal coach Mori wa dekk bi yépp and ci ñuy sant ko yalla di gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp ñi fi tew ñëpp ño xam kenn ku ci nekk li nga bëgg yalla nako yalla defal waaw ya 5 centre basket à Louga centre yépp ñi ngi formé les entraîneurs ñi ngi leen di formé mais benn volé rek man sama njàngat laa gis ni buñ ko jongan ci woon defar ko dana gën a dimbali basket bu dem mooy Kram Sey maanaam wàllu arbitrage ndax loolu soo xëy na trop ci Louga waaw Louga équipe bu basket la équipe bu dëkku basket la le basket est venu en 1948 au Sénégal le basket est venu à Louga en 1949 ba léegi kilifa yi ñu yor yëpp ay Dabi Diagne ay Papa Ndakhte Gueye ñu bëri joué nañu basket kon tey bu ñu demee ñun seeni doom seeni sët yore leen ngay ba jox ko suñu jërbaat ak xiw ak ñu ngi ko doxal day wane ne rek dëkk dans la fédération sénégalaise de basketball ren rek ñëw na fi loo tolloog ñaar ba ñett yoon mooy wane ni waa Sénégal am na benn bët bu ñu bàyyi waa Louga ci wàllu basket parce que yaakaar naa fay sax yaakaaruma ni sax war nañ cee mën a war naa mën a nekk lépp mais ñu jéem rek tey Mori aussi quoi qu'on puisse dire on peut dire l'un des personnages clés du basketball Louga 3 parce que il fit l'un des plus grands formateurs de ce basket dëgg yàlla te boobu ba tey mi ngi œuvré mi ngi farmé boobu ba tey bàyyiwul dawul bàyyiwul delluwul ginnaaw ñu koy ñaan rek yàlla mi dara tewul moom aussi mu may ko wér gi yaram gudd fan ba mu yàgg di ko farmé tey bii ñëw aussi ñu ànd ak délégation de la ligue à l'occurrence secrétaire général ak vice président ak sama président Mohamed Sy te ñu ñëw représenté au nom de la ligue régionale de basket waaw souffrance basket Louga tey mën naa tey su ma ko doon résumé en un mot ce serait un problème d'infrastructure yu adéquat
lolou ma parce que manké wun terrain de basket mais de terrain de basket yu mengo manam basket du Louga fimu tollu ci Sénégal ak terrain yi mengo wun waaw sinon aussi on peut dire aussi un autre problème c'est le financement du basket parce que on peut pas avoir des équipes de 2-2 qui compétissent ba paré amuñu subvention ci maire bi lolou tamit lolou je crois que tamit c'est un frein ñaari problème majeur yo ala xane mom buñ ko régler won meun nañu régler problème yu bari parce que même centre yi mu neewuma bari ñi ngi len subventionner mais les équipes de deuxième division qui compétissent di génn dans la région di génn dans le département di génn partout à travers le Sénégal donc je crois que ni tay ñom aussi fuñu joxé Louga Basket Club yenn somme ñom mériter nañ tamit am ne serait-ce qu'un million war nañ ko mériter parce que ñom dañuy jouer chaque weekend dañuy jouer chaque dimanche bu lolu wéso aussi le problème d'infrastructure parce que terrain basket bi depuis la mel jabi jagne ba neugani ni la mel lolou duma tay diko wax tous les rares investissements yi ci am ligue bi moy gorgor moko fi def donc ta tay rafeton la municipal de Louga djel ben somme conséquent investir ko ci Louga ne serait-ce que ñu mbara terrain bi ba buñ amé ay gam ñu am fuñ tok buñ tok fenen fo xamne du bokk ak naaj bi